Bonjour et bienvenue dans ce périscope. Hein. Je suis en direct de la conférence de David Lefrançois. Bah, là, on est en pause, déjeuner. Et je suis en compagnie. Tu sais quoi, je vais te demander de te présenter. Bonjour. Ouais, ouais, bonjour. C'est pas évident de se présenter à un téléphone, faut juste, mais bon, on va l'oublier. C'est quoi, faut juste le prénom, le nom, et puis... Philippe Elie Kassabi, je suis facilitateur graphique, c'est-à-dire que j'illustre en direct des conférences, des évalidés ou des ateliers de créativité. Voilà. Alors, je réponds à Léo Kim. Bonjour Léo. David Lefrançois, c'est un coach en développement personnel et on parle entre autres de nos zones d'ombre qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui nous pourrissent la vie. Je pense que j'ai résumé comme il fallait. Alors, c'est quoi ton travail? Parce que je montrais ça au tout début du périscope. Alors, c'est des dessins, c'est des schémas, c'est quoi facilitateur graphique? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi en fait? C'est accompagner justement l'intervenant qui va venir expliquer ses concepts, ses principes ou ce qu'il veut présenter au public et d'être un appui, on va dire, comme le petit poussé, il va mettre des petits cailloux un petit peu partout sur son chemin qui va permettre aux gens qui sont venus de se retrouver tout au long de la journée et de retrouver des repères pour pouvoir repenser, réfléchir à tout ce qui a été dit. Parce que le déroulé de l'intervenant se fait sur toute une journée. Donc c'est un peu long, on peut oublier certaines choses. Et justement, pour ne pas oublier, les gens qui assistent à la conférence vont pouvoir se référer au dessin pour se rappeler des valeurs importantes qui ont été énoncées. Ouais, c'est une forme d'ancrage. Tout à fait. En fait. Alors bon, j'imagine que parmi avec tous ces dessins là comme ça, j'imagine quand même qu'on te donne le programme. Non, j'ai pas de programme, je suis comme le Candide ici, je viens comme le public pour observer et découvrir un peu le sujet. Donc ça veut dire que tu écoutes, tu intègres et tu dessines en même temps? Voilà, c'est un peu le principe de la facilitation graphique. Et comment tu fais pour garder l'essentiel et sans passer à côté de quelque chose alors que tu es en train de dessiner? On perd combien de... On en perd, mais je pense qu'en me mettant à la place de la personne qui écoute, je vais retenir un peu comme eux peuvent retenir, et donc je vais avoir un échange plus fort avec justement les gens qui sont là. Donc ce qui sera important, c'est ce qu'eux aussi ont écouté et ont retenu. Donc on va avoir on va être en phase avec le public. Et ce qui va vraiment être intéressant pour le public, c'est de retrouver les idées qu'ils ont accrochées, sur lesquelles ils ont accroché, sur ce qu'ils ont retenu. Alors là, on voit beaucoup de pensées. Alors moi, ce qui me frappe dans tous ces ancrages, tous ces dessins... Ouais, je vais essayer de mettre un peu comme ça pour éviter qu'il y ait trop de reflets. C'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Ah non, parce que le dessin suit exactement la conférence. Donc la conférence, le conférencier généralement dit rarement la même chose tout au long de la journée. Donc à chaque phase, à chaque partie de la conférence, j'associe un dessin, je crée la visualisation de ce qu'ils sont en train de dire. Donc ils ne vont pas se ressembler, ils vont être tous différents, et il y a une valeur à chaque dessin. On arrive bientôt à la fin de ces 8 conférences, puisque ça fait 2 jours qu'on est là. Est-ce qu'il y a un concept particulier ou quelque chose qui toi, t'es resté dans la tête? Oui. Et que tu retiens, s'il y avait les gens qui nous écoutent là ne sont pas à cette conférence et moi je vous conseille d'avoir une conférence comme ça. De toute façon, s'il y avait une chose qui devait retenir, ça serait quoi? Une belle chose que j'ai retenue déjà hier, c'est ce panneau là qui est, voilà, partageons des messages positifs. Et ça, c'est vraiment si déjà on a intégré ça. Même si vous n'êtes pas venu, si vous n'avez pas vu la conférence, c'est une belle chose. Et lorsqu'on se sent attaqué, lorsqu'on se sent violenté par les autres, parce qu'au fond, le seul problème dans la vie, c'est le rapport aux autres, qu'est-ce que toi, t'as gardé? Par rapport à la question, parce que justement, en étant positif, d'accord, si on est attaqué par quelqu'un, par une agressivité, par une fuite, etc., si on lui envoie des messages positifs, si on est dans l'optimisme, si on est dans l'ouverture, la personne en face sera elle-même obligée, elle se sentira obligée de changer son comportement et d'aller elle aussi vers le positif et de donner malgré tout un message positif, dire bon,
Il est sympa en face de moi, il est positif. Je vais arrêter de lui rentrer dedans et d'être agressif. Et ça va faire descendre le niveau de tension et peut-être permettre l'ouverture de la discussion et du partage. Je suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ont beaucoup aimé ces messages et ces dessins. On peut te retrouver où? Tu m'as passé une carte, en fait, voilà, c'est ça? Voilà, ça c'est ma petite carte. Ouais. Et là derrière, c'est ma carte, si on arrive à voir. Ouais, on va. Voilà, il y a mon numéro de téléphone. Ouais, on voit pas très bien, mais je vais la scanner, voilà. Je la mettrai un peu. En haut de l'affiche. Ouais, Periscope n'est pas encore très au point sur le côté ça, macro, mais en haut de l'affiche, c'est voilà. Le nom de votre. C'est ma boîte. Ouais. Voilà, je travaille justement sur tout ce qui est avec l'innovation, tout ce qui est, on va dire, méthode pédagogique innovante. Ben oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu le Moi, but. C'est ce que je vois un petit peu là-dedans. Et voilà, donc on peut m'appeler, je peux venir faire des interventions semblables à celle-ci. Je crée aussi des ateliers de créativité où j'entraîne les gens, où j'amène les gens à faire la même chose que moi, et donc à réaliser leur dessin, donc ouais. En atelier. Et il y a plein de méthodes qui utilisent le dessin. Et que je peux partager avec. Et on vient me dire, est-ce que tu fais des affiches de spectacle? Affiches de spectacle, de conférences, de développement personnel, ça t'intéresserait peut-être? On peut faire, je fais des illustrations de d'articles, je fais des illustrations d'affiches. Le dessin est là pour aider, pour faciliter. Donc, vous m'appelez, on voit ce qu'on peut faire. Ce que je peux pas faire, je dirais non, c'est pas ce que je veux faire. Je ferai pas d'affiches, on va dire, classiques comme. Ouais. Un graphiste qui va vous faire ça. Vaut mieux aller voir un graphiste et une agence de pub qui va vous faire ouais. Là, je suis surtout sur le contenu et quelque chose de faire quelque chose d'interactif. Ouais, il y a toujours un message derrière, voilà. En fait. Il y a toujours de la valeur. Voilà. Donc, sinon, vous allez voir un illustrateur qui sort d'école de beaux-arts, il va vous faire ça avec grand plaisir, il sera content. Moi, je suis surtout sur spontanéité, sur le fait d'être là en présentiel et de créer en direct quelque chose qui va vous ressembler.